Je regarde autour de moi et je vois le mien s'offrir. Je regarde ma feuille vide et je voudrais écrire. Écrire pour dénoncer. Écrire pour me défaire de ce fardeau lourd à porter. Écrire pour soulager mon peuple de ce poids dans le dos. Écrire pour éveiller l'essence d'une conscience qui semble s'endormir. Du coup, sur la jeunesse, j'aimerais écrire. On dit qu'on va à la dérive, mais moi, je crois qu'on fait bien pire. Une jeunesse influençable par la zik et par la sap. On veut tous une vie de star, mais pour les cours, on préfère se réveiller tard. L'école nous ennuie, on aime sortir la nuit, traîner jusqu'à tard le soir, picoler, picoler, sinon boire. Pendant ce temps à la maison, c'est la misère. Des larmes amères remplissent les regards de nos mères. Elles en veulent à nos pères. Nos pères traumatisés par cette vie morbide. Au bégam où les doigts me voient, eux ont les poches pleines, nous les assiettes vides. Ayadoudou blami kekim, nos familles se réduisent, nos cimetières se remplissent. Notre vie se consume, l'avenir de nos petits frères voile par une brume. Nos sœurs se prostituent pour éviter que la faim les tue. Et puisque le sexe a fait fuir l'amour, partout le matériel résonne comme un tambour. Et moi, j'emmerde celui qui me dit que être pauvre, c'est pieux, que celui a accès au royaume des cieux. Que les sceptiques m'ouvrent les yeux. Une destinée de pauvre, est-ce que nous réserve Dieu? Pourtant on nous dit que seule la mort peut nous empêcher de croire. Que quand on vit, il y a encore de l'espoir. Yéna, Messiam, Dieu l'exprimé, Béral, Bol, professeur, élève, docteur, tous sont manifs. Besoin de modification des tarifs. Cela ne m'étonne pas. Nos hôpitaux sont dans de mauvais états. Le chômage est à la hausse et nos familles sont endettées. La peur devient notre partenaire. Peuple oppressé par des débarquements militaires. Oh ben mima ga respirer oxygène, ben mia respirer gaz lacrymogène. Une pensée pour ceux qui ont succombé sous les coups de balle. Sans gêne, les coupables sont encore libres. Pendant que c'est là et où nous kogoyo, c'est que où nous kogosyo. Comme à l'abattoir, le bétail ne se plaint pas du couteau qui l'égorge, mais de la main qui l'a conduit à l'abattoir. Et encore une fois, bientôt les élections, ils viendront avec leur discours de prédilection, nous faire croire qu'ils partagent nos peines, mais n'hésiteront pas à nous larguer une fois leur victoire certaine. Face à cette mascarade, comment rester silencieux? Car si la meurt, je suis la voix des sans-voix. J'ai dit que j'étais un haut parleur, ils m'ont retiré le micro. Ils veulent que je reste un beau parleur et vanter leur mérite, mytho. Si je dis que je suis un combattant, ils diront que le slam est un délit. Mais oui, le slam est une arme, où à la place des balles, il y a des mots. À la place du sang et des pleurs, il y a de la joie, des rires et une prise de conscience. Car le slam est une arme pour éveiller l'essence d'une conscience qui semble s'endormir. Le légitime Mike Homme, le fils de l'encre et de la plume. Merci.